Comment ça va, frère? All right. Oui, chef, comment vas-tu? Hey! Je ne savais pas que c'était toi, là. Comment ça va, Dash? Ça va, ça, ça va. Oh, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Laisse-moi couper mon live, on va parler tout à l'heure. Oui. Grand Dash! All right, comment ça va, ma soeur? Ça va. Oh, Dieu merci. Voilà, on est à Washington DC devant le siège de l'ONU en direct avec Patriote Niawa. Je suis là en personne. Les Ivoiriens des États-Unis ici devant le siège de l'ONU. Donc voilà, on est en live ici à New York. Les Ivoiriens se mobilisent dans le monde entier. Donc, là où vous êtes, mobilisez-vous parce qu'on doit chasser ce type-là du pouvoir. On ne peut pas laisser cette bande de malfaiteurs-là continuer de gouverner notre pays. Donc, tout Ivoirien, là où vous êtes, mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour encourager nos jeunes gens, nos parents au pays à ne pas se laisser intimider. Mobilisez-vous. Nous sommes ici à New York, devant le siège de l'ONU, en train de protester contre Alassane Ouattara, contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Voilà, il y a un beau monde, les gens continuent de venir. On veut plus, 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 on veut plus,
Vous êtes en direct avec Patriote Diawa à New York, devant les chaises de l'ONU. Les Ivoiriens des États-Unis se mobilisent aujourd'hui pour protester contre Alassane Ouattara, contre le troisième mandat d'Alassane. Nous sommes ici à New York, la belle ville de New York City, pour protester contre la présence d'Alassane Ouattara. On a des mouvements qui sont représentés ici. Sont le UDS, qui est apparemment un mouvement GPS, un mouvement soroïs, représentant le FPI, USA, AIRD, le PDCI RDA, FPI Caroline du Nord. Notre devoir sera d'être moderne, que l'espérance promise à l'humanité, en faisant une la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Les États-Unis mobilisés contre le troisième mandat. Un peu plus, environ une cinquantaine jusque-là. Plus proche, mais on est là. Beautiful country. Yeah.
Donc aujourd'hui nous sommes là pour trop c'est trop, trop c'est trop. Nous avions nous ne voulons plus de génocide, nous ne voulons plus de massacre en Côte d'Ivoire. Nous ne venons pas à témoin l'homme. Parce qu'il ne faudrait pas que demain ils disent qu'ils ne sont pas au courant. Nous sommes venus les avertir avant. Ils sont au courant. Avant. Mais pendant et après, il faudrait qu'ils soient au courant. C'est pour ça que nous sommes devant ici aujourd'hui. Nous allons partir déposer une motion de Dieu. Voilà, je prends l'interruption et puis on revient pour poursuivre. Voilà, ce sont les Ivoiriens des USA mobilisés ici à New York. Et de plus en plus de personnes arrivent. Voilà, ce que vous voyez, c'est juste un échantillon. Voilà, d'autres personnes arrivent. Et je vais interrompre tout à l'heure. Et on